Wesh les potos! Petite information avant que la vidéo commence, si vous voulez soutenir la chaîne au maximum, ce que vous pouvez faire c'est d'aller dans la boutique d'objets de Fortnite, ensuite vous appuyez sur carré pour rentrer le code SCM en majuscule ou en minuscule comme vous voulez, comme ça, ça soutiendra la chaîne de ouf. Merci à tous ceux qui le font, bien entendu c'est pas obligatoire, mais si vous le faites, vous êtes des BG les mecs. Enfin bref, sur ce je vous souhaite à tous une bonne vidéo, let's go! Wesh les potos, bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est Soit Cool au Mike et dans cette vidéo, je vais vous aider à réaliser le défi qui est d'éliminer des forces de l'IO en une seule partie. Alors vous allez devoir éliminer 3 forces de l'IO, donc 3 PNJ, personnages non jouables, de l'IO sur Fortnite. Donc les emplacements des personnages, c'est très simple, il y en a 5, donc il y a dans chaque dirigeable en fait, dans chaque dirigeable il y a des forces de l'IO, donc il y en a un dirigeable à Kone Crossworld, un dirigeable à l'état Major Enfoui, à Tilted Tower, à Rocky Hills et à Kondo Canyon. Donc vous allez pouvoir réaliser le défi dans ces 5 emplacements de ville. Alors moi ce que je vous conseille c'est quand même d'aller à Kondo Canyon parce que pour l'instant ils sont en plein affrontement et vous allez pouvoir en tuer plus facilement parce que vous avez des sentinelles D7 qui vont vous aider à les tuer. Donc franchement je pense que c'est la meilleure solution. Donc ce que vous faites c'est que vous allez à Kondo Canyon, vous cherchez l'emplacement de l'affrontement, donc là je ne les vois pas encore, ah voilà ça s'attaque par là. Vous voyez les points d'exclamation rouge, ben ça c'est les forces de l'IO, les sentinelles ils sont notés. Donc ce que vous faites c'est que vous allez sur un toit ou je ne sais pas où, mais vous allez chercher une arme, de préférence une arme à distance. Bon, j'ai que des lance-grenades ici, ça devrait faire l'affaire. Vous prenez une arme et ensuite ben boum, ok, c'est quoi ces trucs là? Qu'est-ce que c'est que ça donc? Ok on va prendre un sniper, ce sera plus simple. Vous prenez un sniper ou une arme, n'importe quelle arme et ensuite ben boum. Vous tuez les gardes, les forces de l'IO pour terminer le défi. Donc dès que vous aurez éliminé 3 forces de l'IO, ben là vous aurez terminé le défi et vous débloquerez les récompenses. Donc voilà qui termine cette petite vidéo d'information. J'espère qu'elle vous aura été utile et qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait. Et sur ce, ben moi je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos. C'était Soit Cool Mec et ciao. Peace. I'll make bruh.